Bonjour les amis, alors aujourd'hui nous allons cuisiner pour Geneviève Dutheis qui m'a gentiment demandé de lui faire la recette des pieds de cochon sauce gribiche. Donc il suffit de demander, on va le réaliser. Vous allez voir, c'est très simple. Avant de commencer la recette, je voudrais remercier Jean-François Pater qui habite à Épinay-sur-Orge et qui a réalisé cette petite mascotte albano avec des pièces de récupération. Il me l'a fait parvenir dernièrement. Je trouve ça très sympa, surtout très mignon, très sympa. Donc, Jean-François, je te remercie mille fois. Et dorénavant, notre albano sera la mascotte de la cuisine du monde. Alors, pour préparer le pied de porc, vous allez voir, c'est très simple. Une casserole, une garniture aromatique, sel, poivre et un filet de tamine. Voilà, pour la cuisson. Donc pour commencer la recette, dans la casserole, je mets ma garniture aromatique. Vous voyez, je les ai lavées, j'ai pas pris soin d'éplucher les carottes, ça sert à rien. Donc je mets carottes, poireaux, céleri, un oignon. Je vais mettre du laurier. Je vais mettre du thym avec clou de girofle. Là, en attendant de mettre les pieds. Pour faire les pieds, donc les pieds de porc, je les ai mis... Avant de commencer la recette, dans une casserole d'eau froide, j'ai porté à ébullition. Je les ai rincés, mes pieds sont blanchis, sont propres. Voilà. Donc, pour avoir un bon résultat, vous êtes obligé de ficeler vos pieds. Donc, on va faire un petit tour de magie. Vous allez voir, très facile. Pour mettre la ficelle, parce que le but c'est de garder les pieds droits, ça fait plus joli, c'est surtout ça. Sinon, si vous faites pas le, si vous le ficelez pas, il va complètement se tordre, puis c'est pas beau quoi, ce serait dommage. Vous allez voir le résultat après. Là, j'ai ficelé mes pieds, maintenant je vais mettre dans un filet tamine. Voilà, un petit filet. Pareil, je ficelle abondamment. Là, mes pieds sont bien ficelés dans une étamine. Dans la casserole, je recouvre d'eau et je vais mettre. Alors, bien sûr, je vais saler poivrer. N'hésitez pas parce que le pied il est fadasse. Bien salé, bien poivré. Là, et je vais mettre en cuisson. 1h30. Une heure et demie plus tard, j'ai piqué mes pieds, ils sont cuits, je les ai sortis de mon courbouillon, je les ai laissés refroidir. Maintenant, je vais les ouvrir. J'ouvre mon étamine. Alors vous pouvez les manger froid vinaigrette, c'est pas mal aussi. Mais moi j'aime bien les passer au four, les rôtir avec la sauce gribiche. Je trouve ça très 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 bon. Pareil. Vous voyez, les pieds sont restés bien droits, ils n'ont pas vrillé. Voilà, ça c'est joli. Et là, je n'ai plus qu'à les défaire.
les mettre dans un plat, à rôtir, réchauffer au four, on va dire 180 degrés, compter un quart d'heure, et on va sortir ça, vous allez voir, le résultat est parfait. Nos pieds de porc que j'ai mis au four à 180 degrés pendant un bon quart d'heure sont prêts à être dégustés, donc je vais chercher mes pieds de porc. Vous voyez, ils sont droits, ils sont jolis, ils sont pas éclatés. Alors ça, vous mettez ça sur la table. Vous vous souvenez que la semaine dernière, on a fait la sauce gribiche pour accompagner nos pieds de porc. C'est parfait. Et bien entendu, on n'oublie pas le conseil de Bertrand Martin, le caviste du Grand Moon à la Cavez-vous, qui me conseille de boire un vin rouge chardonnay Jouclary à 6,95 €. Allez à la cave, demandez, dites que vous venez de ma part, vous aurez une ristourne. Voilà les amis, alors ça j'adore, ça je me donne pour les pieds de porc. En vous remerciant les amis, en vous disant au plaisir, aïe chat.